Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet totalement interdit et qui peut vous valoir un permban. Évidemment, il s'agit de la vente et de l'achat de comptes sur Rock. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos, les leaks. Bref, vous y retrouvez tout et bien plus encore. Les amis, donc je vous le disais, un gros disclaimer, c'est totalement interdit l'achat et la vente de comptes. Mais bande de petites patates, je sais que vous faites très bien cela et vous en recherchez même. Parfois, je vois des petits messages passer. Est-ce qu'il est rentable de vendre ou d'acheter son compte en 2024 sur Rock? C'est ce qu'on va voir avec la plus grosse plateforme d'échange, la plus sécurisée et la plus sûre. Également, je ne vous donnerai pas laquelle, mais vous n'aurez pas beaucoup de mal à la trouver. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'achat d'un compte est rentable? On va voir des vrais prix, des vrais comptes en vente. Hein. Regardons pour comparer déjà les bundles in-game. Imaginons, vous commencez Rock, on va prendre deux profils différents. Le premier profil, j'ai pas beaucoup, vous le voyez, je suis pas tout à fait un free player, mais je suis pas un gros spender. Hein. Ma tata m'a donné un petit peu de sous et je me dis, je commence Rock et je veux mettre, allez, 200 balles pour acheter un compte, 200 euros, 250 euros, on est sur cette frontière-là. C'est ce que je veux mettre. Est-ce que j'ai des comptes accessibles à ces prix-là? Pourquoi mettre ce prix-là? Parce que regardez. Imaginons, je veux juste acheter des bundles, je vais sur les bundles, ça va très vite monter. Si je veux un petit peu de l'eau de valeur, un petit peu d'offres spéciales journalières, de l'eau de ressources, de magasin de gemmes, vous le voyez, j'achète juste 50 000 gemmes, 60 000 parce que j'ai le bonus de 5 000 et j'en ai déjà pour 240 balles, ça va très vite. Donc est-ce qu'avec un premier budget comme celui-là, je peux avoir un bon compte? Et un deuxième budget autour des 1000 euros qu'on va dépenser si on est un low spender à raison de 50 euros par mois. 50 euros, c'est pas énorme, mais ça reste tout de même une somme hein, pour un jeu en ligne. Ça fait en 2 ans, je les aurais dépensés. Au bout de 2 ans, qu'est-ce que j'aurais? Déjà en termes de bundle, hein, pour 50 balles, si vous achetez des lots récurrents, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Vous allez avoir, allez, si j'achète des lots de KVK en plus, hein, 50 balles, un KVK, c'est 80 balles de lot minimum. Bref, j'aurais pas grand-chose et je n'aurais pas spécialement de légendaire. Qu'est-ce qu'on a comme compte à ces prix-là? Est-ce que c'est rentable et combien vaut votre compte aujourd'hui? Si vous voulez arrêter le jeu, si vous voulez vendre et peut-être vendre pour racheter un compte mieux, c'est tout à fait possible hein, ces opérations-là. Alors déjà, on se retrouve sur Discord car c'est là the place to be des échanges sécurisés. C'est sur Discord, on se retrouve sur un Discord très connu de l'achat, le plus connu selon moi, de l'achat et de la vente. Et on voit un certain nombre de règles sur ce Discord. À quoi servent ces règles? Eh bien, ça sert justement à éviter le scam. Ils disent également qu'on peut poster sur une période, ça a un coût. Poster son compte hein, et le voir apparaître sur ce Discord, eh bien c'est facturé, c'est vraiment une marketplace payante comme des enchères, sauf que là pour le coup il n'y a pas d'enchères, hein, c'est des prix fermes. Hein. Les steps, ils nous décrivent hein, quand on va vendre son compte, les steps qu'il va y avoir, les étapes qu'il va y avoir. Quand on achète un compte également, les deal steps, hein, ça passe par un des deux vendeurs officiels. Il n'y a que 2 vendeurs officiels qui prennent leur commission. Hein. Ils disent également que la commission minimum est de, enfin la commission est de 10% avec un minimum de 50$. Faut pas rêver. Tout est payé. Faut pas rêver. Hein. On est comme sur un système très mercantile. Évidemment, mais vu les sommes pour certains, hein, ça doit être extrêmement rentable. On peut le dire, ça travaille 24/7, ils le donnent. Ils ont plus de 1000 ventes réalisées, hein, c'est ce qui est avancé. Bref, c'est le plus gros de tous les Discord et même de toutes les plateformes de vente. Si on regarde plus loin, ils disent qu'il faut faire attention pour les ventes avec des scammers parce qu'il y a eu pas mal d'arnaques et il nous manque des screens. Franchement,
très cadré, très bien fait. Mais regardons tout de suite les avertissements. Hop, on va au dernier. Vous voyez, je viens pas souvent. Hein. On va au dernier. Ils disent attention sur. Ils vont avoir hein, des comptes sur Call of Dragon en vente. Bref, différentes infos. Ça vend tant des comptes que des comptes Call of Dragons, Rock et aussi, ça nous met la liste des comptes qu'ils ont réussi à vendre. Hein. Très, très technique de vente, très classique. Hein. Et des ventes de ressources et de royaumes également. Regardons, commençons par le premier deal dont je vous parlais. Je veux acheter, et je vais tout en bas, hein, comme ça on va sur le dernier, le plus récent, on va peut-être remonter un petit peu. Je veux acheter un compte, j'ai allez, 200 balles dans le jeu, je veux me faire plaisir, je veux commencer un nouveau jeu, il me plaît bien, je veux l'acheter. Qu'est-ce que j'ai ? Déjà, ce compte-là, il va valoir 400, on est plutôt sur 400, on va essayer de trouver des comptes un peu moins chers. On est beaucoup sur 400 alors qu'on est sur 250, 500, on le voit, hein, beaucoup vendent autour des 400, 500, on est à 400, beaucoup de comptes à 400, donc le ticket d'entrée va plutôt être autour de 400. Et donc avec nos 200, on n'aura pas grand chose actuellement. Seuls les comptes, je peux rester au début en fait, hein, seuls les comptes encore en vente hein, sont affichés. Ils sont peut-être un peu chers pour ce que c'est. Pour, donc on reprend sur le dernier, c'est le plus intéressant à mon avis. Pour 400 balles sur le dernier compte, qu'est-ce que j'ai ? 400 dollars. 400 dollars en conversion, ça doit faire un petit peu moins de 350 euros. Qu'est-ce que j'ai pour ce prix-là ? L'offre date du 19 août, vous le voyez, c'est très récent. Pour ce prix, c'est relativement simple ce que je vais avoir. Alors déjà, regardons au niveau des screens. On va avoir pas mal de ressources. Hein. On va être tranquille de ce côté-là. On le voit, on a 41 000 gemmes en stock. 13 millions, 16 millions, 22 millions. Peu de ressources au final. Un peu de points VIP. On a le détail hein, de tout le stock. On n'a pas non plus des stocks de ouf. On a un skin légendaire. On est sur un compte à 400$. Franchement, pour 400$, c'est pas mal du tout. En termes de puissance, la puissance était indiquée. On était à 70 millions, je crois. Il nous montre les armements. Il nous montre les différents commandants légendaires. Hein. On le voit. On a Saladin. On a William. On a Chandragupta. On a Scipio. On a Honda. On a Nevsky, c'est pas des commandants de ouf, mais ça fait le taf. Il y a Martel, il y a Manitor, il y a Jeanne d'Arc aussi qui est légendaire. Ça fait le taf. 15 commandants légendaires expertisés, évidemment. Hein. Ensuite, d'autres très bien développés. Un stock de 570 sculptures en or. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir monter le prochain commandant qu'on souhaite. C'est pas mal du tout. Hein. 18 équipements légendaires. Un skin de ville légendaire. Peu de passeport. Low passeport. Un tout petit peu de passeport. Hein. Et cela, c'est 400$ plus les frais. Donc, autant dire 450$ pour ce compte. Est-ce que c'est intéressant ce compte-là pour 400$? Combien nous coûterait de monter un compte aussi haut? Eh bien, ça nous coûterait bien plus cher. Ce qu'il faut vérifier, c'est juste le niveau des kill points, hein, voir si c'est un mec qui se battait. Hein. On le voit en kill point, hein, il est à 1 milliard. C'est pas mal du tout en termes de puissance. 65 millions. Hein, et regardons en termes de VIP. Est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé en VIP F16. Ça reste un petit peu faible. Regardons le deuxième commandant qui est vendu à 400$. Lui aussi depuis le 8 août. Hein, on le regarde tout de suite. En termes de VIP, il est 16. De gemmes, 6000. Le stock de gemmes est faible. Hein, les ressources, c'est pas une dinguerie. Les passeports, il n'y en a que 4. Il y a un thème de skin légendaire. Regardons le détail. Oh, il a par contre des commandants. Non, il les a juste débloqués. J'ai cru qu'ils étaient épiques. J'allais dire oh, qu'ils étaient expertisés. J'allais dire bien là l'expertise. Qu'est-ce qu'il a comme commandant légendaire? Oh, il a un bon stuff légendaire. Il a Zhuge Liang, il a Nevsky, il a Scipio, il y a Liu Qi expertisé également. Des bons commandants hein, quand même. Regardez le stuff, il est pas mal du tout. 16 commandants légendaires expertisés, 140 sculptures, un VIP 16, 29 légendaires équipements, 2 full légendaires et 7. Hein. Good alternative à Kunt, il a des bons comptes de farm, hein, un skin légendaire. Vendu avec 20 passeports, 450$ plus frais. Moi, je trouve que celui à 400$ est un peu plus intéressant. Même si au niveau des commandants, ça se discute.
Là, vous voyez, le dernier est plus intéressant. Donc, voilà ce qu'on a aujourd'hui pour 450 $, donc moins de 500 $ dans le jeu. Est-ce que c'est intéressant? C'est pas mal, ça permet de gagner énormément de temps et vous sauvegardez pas mal d'argent. Passons à présent à la catégorie 1000-1500 $. Imaginons, je veux claquer mon PEA et mettre 1000 € dans le jeu. Regarde, on a des comptes qui ne sont pas vendus depuis longtemps, puisque celui-là, s'il est en ligne, c'est qu'il est toujours en vente. Hein. Il est là depuis le 11 mars. Allons voir tout de suite la dernière vente qu'ils ont rentrée, du moins le dernier compte à vendre qu'ils ont rentré comme un concessionnaire auto. On est aujourd'hui 11h. On ne peut pas faire plus frais, les amis. Regardons ce qu'il a. Déjà, au niveau des ressources, 272 000 gemmes. VIP 17, 85 millions de puissance pratiquement. C'est déjà beaucoup plus intéressant au niveau des ressources. C'est éclaté, mais c'est pas grave. Un petit stock sympa au niveau des accélérateurs. Bon, c'est pas une dinguerie, mais c'est pas mal. C'est pas mal, on est sur un compte tout de même à 1000 balles. Des extensions, en veux-tu, en voilà, c'est cool. Des passeports, 56. Un stock de sculptures en or à 1200. Ça fait deux commandants légendaires. Un VIP 17, très loin du VIP 18. 900 000, aussi loin que le mien pratiquement. Parce que je suis à autour un peu moins d'un million, je crois. En termes de kill point, est-ce qu'on a le nombre de kill points? On est à 2 600 000. Ça pourrait quasiment être mon compte en termes de skill. C'est pareil, combien de commandants légendaires expertisés? À ce prix-là, j'espère qu'on en a pas mal du tout. Nevsky, on voit Zhuge Liang, on voit Wallace, on voit HQ, on voit Guan Yu, on voit Boadice, on voit Scipio Prime. On voit pas mal de commandants de haut niveau. Il faudrait qu'ils donnent la liste intégrale. Il y a Flavius, 21 légendaires expertisés, VIP 17, 36 équipements. Légendaire, 5 très bons sets, hein, un petit peu stock de ressources, hein, 4300 jours de speed up, quasiment 12 ans, 100 jours en heal, hein, 105 jours en training, 210 légendaires matériaux prêts à être craftés et en AP 1,3 million. On n'a pas le prix, si 10 conquest coins, ok, super, c'est pas mal, 462 000 saisons de conquête, on va pouvoir acheter 270 000 gemmes. Made d'account avec des alt, hein. Tout est prêt à être migré, c'est normal, il y a 50 passeports, 1250 $ plus frais, on est un petit peu au-dessus des 1000 € que je vous annonçais, hein. On est autour des 1100 €, mais ça reste un très bon compte. Est-ce que le ratio est intéressant? Ouais, on a quand même un bon nombre de légendaires. Pour ce prix-là, je pense qu'on peut avoir encore mieux. Regardons ce qu'on a au-dessus. Au-dessus, on est sur un compte avec 44 légendaires, VIP 18, 920 têtes en or, 1350 $, un petit peu plus cher. 3 skins légendaires, 5 pour Harry, je ne sais pas ce que ça veut dire, 5 pour Harry, peut-être 5, non, 5 qui ont critique, je ne sais pas ce que ça veut dire, jamais vu ce terme dans Rock. Hein. Full critique et iconique archer 7, 12 légendaires équipements with special talent, on est pas mal du tout. Là, le compte est très intéressant, moins intéressant peut-être en termes de commandant, mais il a débloqué quand même Wallace, hein, de commandant expertisé. Mais il a Gorgo Prime, il a Zhuge Liang Prime, il a H Prime, il a Attila Prime, Boadice Prime, pas mal de bons commandants. Non, franchement, on est sur un bon niveau de compte là et un bon rapport qualité-prix. Donc au final, on a une grosse différence entre les comptes à moins de 500 $ et les comptes autour entre 1000 et 1100 $. Vous allez me dire, bah ouais, c'est du simple au triple en prix. Ouais, mais en gain de temps, c'est bien plus qu'au simple au triple. Là, on a un compte où il y a eu plusieurs milliers d'euros, même plus de 10 000 euros investis. Pour en arriver là, c'est vraiment un raccourci très intéressant. Passons aux comptes les plus chers. Plus de 30 000 euros. Est-ce qu'il y en a encore en vente? Il n'y a pas de compte à plus de 30 000 euros. Actuel 30 000 dollars actuellement en vente. C'est très rare. 15 à 30 000. Il y a des comptes entre 15 000 et 30 000. Et on en a 100 images. Compte à 160. Ah non, si les images elles sont au-dessus. Regardez. Ce compte doit être très très récent. Il a été mis en place le 25 août en vente. Il est très lourd. Ah, c'est peut-être pas celui-là qui est en vente. Hein. Je pense que c'est pas celui-là.
Il y a un compte à 160 millions de puissance en vente. 3000 jours de speed up en training universel, double 12 équipements level 2 et level 4, hein, beaucoup d'autres level 2, 65 legendary équipements, équipements légendaires, 66 commandants expertisés, hein, des très bons armements, 1000 sculptures en or, ils le mettent à 17 000 $, plus les frais, là ça commence à piquer les frais on est à 1 700 $. Pareil, au-dessus, on a un autre compte. Regardez, ces comptes-là à 17 000 $. Le mec a tout dans le jeu. Regardez combien il y a de skins légendaires. Les mecs ont vraiment tout dans le jeu. Il y a, regardons le détail qui fait plaisir, 69 commandants légendaires expertisés. C'est quasiment tous les légendaires expertisés. 2,3 millions de gemmes, 68 équipements légendaires, 110 milliards de RSS au total, hein, 50 millions en sac, 60 millions dans les déjà qu'on, si on migre qu'on va perdre, 257 millions de puissance, 23 milliards de kill points. Ça c'est des comptes connus forcément de très gros joueurs. C'est des très gros comptes. Franchement, c'est des comptes. Oui, vous gagnez de l'argent. Hein. Là, si, enfin, vous gagnez de l'argent. Non, vous perdez 17 000 $. Hein. Il était à 22 000. Ils l'ont baissé à 17 000 $. Et ce qui va se vendre, c'est possible. Même si le jeu est en perte de vitesse, c'est possible que ce compte-là se vende. Ça reste très cher. Finissons avec un compte intermédiaire, 5-7 000, autour des 5-7 000. Regardons, je dis intermédiaire dans la grille de prix qu'on a sous les yeux. Pour 6 800 $, pratiquement le palier, on peut avoir un compte avec 51 légendaires, 60 équipements légendaires et pas mal de puissance, 128 millions de puissance, plus 11 millions back after le, après le KVK. Bref, on peut, c'est ce que c'est rentable au final, j'ai dit on peut faire des bonnes affaires. Faut évidemment négocier les prix affichés si vous devez acheter un compte, même un petit compte hein, à 800 000 $, hein, on négocie toujours. Est-ce que c'est rentable? Oui, forcément, parce que vous allez récupérer bien plus que, regardez, à la moitié pour le VIP 18, vous allez récupérer bien plus que le prix que vous allez payer. On est à 900 $ plus frais hein, sur un compte, par exemple, avec 17 légendaires expertisés. Alors oui, ça dépend des légendaires, mais on voit déjà qu'il y a Zugliang, on voit qu'il y a Luce, HQ, Nevsky. C'est quand même des bons légendaires qui sont là. Ça reste très intéressant, rentable jamais. C'est de l'investissement, vous dépensez, il faudra le revendre et vous le revendrez forcément moins cher. Mais ça reste intéressant. Et si on compare par exemple à mon compte, je voulais vous dire combien par curiosité coûte votre compte. Eh bien c'est simple, vous allez sur votre compte et vous allez compter le nombre de légendaires que vous possédez. Hein. Donc c'est une opération simple, vous cliquez et pas nombre d'étoiles, c'est légendaire et vous regardez le nombre d'expertisés. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32. On arrive à des légendaires quand même un peu éclatés. J'ai 32 légendaires expertisés actuellement. En filoutant et en utilisant ceux qui sont presque expertisés, je dois pouvoir monter avec ce que j'ai en stock hein, à 35 légendaires expertisés. Certains seraient éclatés, hein, mais je monterai à 35 légendaires. C'est pas mal. Et après, vous comptez aussi, c'est ça qui compte le plus, hein, le nombre de légendaires que vous avez et le nombre d'équipements légendaires que vous avez également. Donc, j'ai 35 commandants légendaires. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. J'ai 27 équipements légendaires, environ 35 commandants légendaires. C'est pas une dinguerie, mais je pourrais forcer, si vous voulez vendre votre account, il y a deux stratégies. Soit crafter vous-même, parce que moi je pourrais crafter plein de choses, hein, là de légendaires, hein, je peux en crafter plein, et monter comme ça la valeur à afficher sur mon compte, ou mettre en avant que la personne qui acquérera ce compte-là pourra faire ce qu'il veut et crafter ce qu'il veut comme item. Deux stratégies se tiennent. Je pense que malheureusement, hein, celle de crafter et de montrer tout de suite beaucoup plus peut être plus rentable immédiatement, même si elle est moins intéressante. Donc, ça peut être pour le prix de vente, ça peut être une indication.
N'hésitez pas à acheter des comptes qui vous donnent des équipements et qui vous permettraient de faire ce que vous voulez. Pareil, le nombre de passeports et le nombre de gemmes en votre possession sont aussi des choses qui sont intéressantes, puisque celui qui achète n'aura pas à se prendre la tête sur le nombre de passeports. J'en ai déjà pour migrer 3 fois. Le nombre de gemmes, un petit stock est toujours intéressant. Bref, vous avez toutes les infos relatives à l'achat de compte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces tarifs, sachant que c'est la plus grosse plateforme de vente. Hein. Vraiment, énormément de transactions ont lieu sur ce Discord-là. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Rock.